Bonjour à tous, c'est Rico dans le bazar de Rico. Et aujourd'hui vous êtes avec moi sur un jeu un peu spécial tiré d'un manga de Kite Kubo, le célèbre Bleach Soul Resurrection. C'est sorti le 16 septembre 2011, exclusivité sur PlayStation 3. Je vous passe l'intro bien sûr, hein. Je vais pas vous la spoiler. Et donc voilà, développé par Sony, et on va tout de suite tester ça. Alors c'est un jeu, c'est un beat'em all apparemment, aventure. Et j'ai bien envie donc, je ne connais rien du tout à Bleach. Je sais juste, attendez que je regarde la notice, qu'on va contrôler Ichigo Kurosaki. Alors autant je pourrais vous faire un résumé de très très nombreux mangas, beaucoup. Même beaucoup, genre Dragon Ball Z, Naruto, Les Chevaliers du Zodiac, et encore pas mal que je vous passerai. Autant celui-là, je ne connais pas grand-chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va contrôler, je viens de vous le dire, Ichigo Kurosaki, qui va se faire aider de très nombreux amis. Et son but, ça va être certainement de casser la gueule à tout ce qu'il trouve, vu que c'est un beat'em all. Alors, on va regarder tout ça tout de suite avec vous, ce qu'on a comme option. Donc on a déjà un mode histoire, c'est certainement celui-là où qu'est-ce qu'on va faire un petit peu pour découvrir. Un mode mission qui vous permet d'utiliser n'importe quel personnage, donc ça doit être des missions annexes sur le côté. Alors là, les deux personnages, je suis même pas capable de vous dire qui ils sont. Je ne connais rien du tout à Bleach, mais rien. Tout ce que je sais, c'est que il y a des espèces de... Donc on a notre Ichigo qui a 15 ans, qui en paraît 25. C'est toujours comme ça dans les mangas de toute façon, hein, je vous jure. Et qui voit des espèces de fantômes, et au bout d'un moment, donc il va se faire aider par je ne sais plus qui, Ryuka, qui va lui fournir son arme, tout ça. Il va s'avérer qu'il a de très grands pouvoirs. Bref, je vais essayer de découvrir ça avec vous, ça risque d'être intéressant. Donc là, un mode sous l'attaque, mode de combat en réseau. Alors ça n'a rien à voir apparemment, c'est juste pour mettre ses scores en réseau, parce que ce jeu ne comporte pas de mode online tout simplement. Alors c'est un seul joueur, je pensais qu'on pourrait jouer à deux. Mais apparemment non. Le mode level up permettant d'améliorer son personnage avec ses points sous. Apparemment on pourra monter niveau dans ce jeu très, très bien aussi si on a des personnages fétiches. Alors personnellement je vais tout de suite vous donner mon personnage fétiche à moi. C'est Grimjo Jagger Jack. J'avais vu une vieille vidéo de Bleach avec ce fameux combat. J'avais trouvé que ce personnage de Grimjo avait vraiment un charisme de malade comparé au héros qui est Ichigo. Il se bat dans un kimono traditionnel quoi. Il s'est fait battre, mais apparemment il serait pas mort d'après Kite quoi. Kite Kubo. Et on verra ce que ça donne. J'espère qu'il sera dedans, que je pourrai l'utiliser. Collection, mode histoire. Ouais, les galeries, d'accord. Ok, allez, c'est parti, le mode histoire, on y va. Je peux commencer avec Ichigo Kurosaki. Allez, c'est parti, je confirme. Je vais le faire en normal parce que je débute quoi, difficile, ce serait un petit peu présumé de ma part. D'accord, on nous explique ça comme ça. Il est de retour dans le monde réel après ses terribles. Je vous laisse lire. Putain, mais ça commence pas dès le début. Vous avez vu le scénario quand même, pour ceux qui suivent pas, pour moi c'est très difficile. Avant, j'étais me renseigné un petit peu. Ichigo travels to Wako Mundo with Uryu Ishida and Chad to rescue Orihime. Oh putain, je ne connais pas un seul des personnages quoi, par le héros quoi. Bon, si Eizen. Alors c'est bien. Ah bien, il nous explique les commandes. D'accord. J'espère que ce sera pas trop difficile à prendre en main. Enfin, en même temps, un beat'em all, c'est. Mais alors les beat'em all, voilà pourquoi je l'ai pris, parce que j'adore les beat'em all. C'est mes jeux préférés. Il n'y a pas à réfléchir. On tape. On ne réfléchit pas. Voilà. Maintenant vous connaissez mon petit péché mignon. Et comme c'est une exclusivité PlayStation 3 et que là où je vous fais ce test, les tests n'ont pas encore été très très développés sur ce jeu. Comme je vous disais, logiquement le mec a 15 ans là. Hein. C'est en japonais derrière. Ouais. Déplacement, d'accord, saut. Hein. Vous voyez, je vous ai expliqué les commandes, mais voilà que c'est là. D'accord, saut. Légez-vous vers la Snow Chest. This is Wako Mundo. Not very cheery. Ah non putain, c'est en anglais. Ah non, attendez, je peux pas. Non, c'est pas, je peux pas jouer comme ça, moi, excusez-moi. C'est où? Mais où est-ce que c'est pour mettre en japonais? Sous-titres. Sous-titres affichage, oui. Voix BGM, ouais. Temps de jeu, ouais. Ah non, mais il n'y a pas les voix japonaises. Vous pouvez pas me faire ça. Commande de base, mouvement, retour. Bon, attendez, retour au menu principal.
Écoutez, je retourne au menu principal, de toute manière on n'a rien raté. Moi je voudrais mettre le jeu en version japonaise. Oui, parce qu'il paraît qu'il y a les voix japonaises dedans. Et sinon, bah voilà, pour l'immersion, ça fait beaucoup mieux. Alors je vous fais voir une vidéo découverte, mais on n'a encore rien commencé du jeu. On en est à quoi? 5 minutes, je vous ai rien fait. Oh putain, les temps de chargement quoi! Options, c'est où? Ah non, mais sans déconner! Ils sont où les options? Options, triangle, j'avais pas vu en bas. Putain, c'est les mêmes. Non! Par défaut, Castex sous-titres. Sans affichage. Oh non, sans déconner. Ah putain. Ouais. Allez, voilà. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Apparemment, j'ai cru qu'on pouvait pas les mettre. J'ai eu très très peur. Ok, c'est bon. Vous devez retourner à l'écran principal pour effectuer le changement de voix en langage. Mais oui, mais bien sûr. Oh là là. Allez, c'est bon, c'est juste des voix. Allez. Alors j'adore les jeux tirés des mangas, hein, c'est. J'adore ça. Alors Bleach, je connais pas, je vais peut-être découvrir. Et ce qui est excellent, c'est que si vous l'achetez maintenant, bah récemment, parce que il est quand même sorti, voilà, le 16 septembre 2011, et ben moi on m'a donné un, comment c'est, un casé player. Un casé player, c'est un pass en fait qui va me permettre d'aller voir des animes sur une chaîne, bah c'est. Voilà, c'est casé une chaîne japonaise, quoi. Et donc j'ai un code. Bon, moi je vais pas m'en servir, alors je vais vous le donner. Hein. Alors le code c'est B15 17 42 72 14 20. Ouais, vous y avez cru, hein. Genre je vais vous le donner quoi. Allez, c'est parti, on y va pour le mode histoire. Et là, on y va pour de bon. En normal, allez, on y va pour cette vidéo découverte. Avec moi Rico dans le. Oh, on va passer ça, on vient juste de le voir. Star suivant, allez, zou. Voilà. Allez, c'est bon, oui, je sais. Attaque, attaque, carré, 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 carré. Tambour Ryujin, oh là là, je vous jure que je ne connais rien. Je suis certain là où vous vous dites, mais Rico, mais pourquoi tu fais une vidéo sur un jeu que tu ne connais pas du tout? Tu ne connais pas l'histoire. À Naruto, j'aurais pu tout vous expliquer pendant que je me battais. Mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais plus vous commenter ma façon de jouer qu'autre chose, quoi. Hein, c'est sûr et certain. Hein. Mais je suis vraiment désolé. Tout de suite, je m'excuse à genoux. Voilà, je me ferai presque harakiri à tous les fans de Bleach. Et j'ai déjà honte, ça y est, c'est parti. Ça rend déjà un peu mieux, avoué. Hein. Allez, on y va. Oui, j'ai vu ça. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, voilà, allez, c'est parti. Je saute. Ok, on a un double saut. Ah, oui. Alors j'adore parce que j'étais me renseigner un petit peu quand même avant. C'est tout des noms en japonais. Ah super, là on peut tourner la caméra. Ok, carré. Oh putain, pas mal d'effets là. Ou triangle, il fait autre chose. Si je reste maintenu, ça fait quoi? Non, triangle si je reste maintenu, non. Rond. D'accord, c'était sa super attaque. Ok, j'ai une barre en haut qui se régénère. Je suis niveau 1, je n'ai tué personne pour le moment, c'est un petit peu logique. Je sais pas à quoi sert la chaîne sur le côté. Oh, je suis bloqué là. Bon, ok. Évidemment, si je regarde pas ma carte en haut. Donc, qu'est-ce que je pourrais. Les gâchettes, à quoi elles servent? La garde, elle est où la garde? Ok, la garde c'est. Oh putain! Ah ouais! Ah ouais, ils savent faire ça eux! Ok, donc là, c'est en fait ce qui se passe pour faire ça, c'est que je reste appuyé sur R1. Si je saute, ça ne fait rien. Et en fait, je dirige avec le stick. Donc, ça fait une recul. L1, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. L1, R1, ça fait rien. Si j'appuie sur toutes les touches, ça ne fait rien. Ok, donc voilà, je peux me téléporter. Bon, c'est. En l'air, je peux le faire. Ah non, je peux pas le faire en l'air, j'ai l'impression. Ah, bah écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours ça qu'on découvre. Oui, bon, oui, hein, voilà, allez, c'est bon. Éliminer tous les holos de la zone. Alors, les holos, c'est des espèces de créatures. Enfin, je crois que c'est bah, des démons, en fait. Hein. On va plus d'attaque plus de bois, je pense. Bah, Dieu, il y a du pape quand même! Du peuple. Hein. Bon alors là je fais que carré carré carré, je vais essayer de varier un petit peu. Ouais, j'ai fait un petit triangle. C'est assez fluide. Pour le moment je prends ça en main, c'est assez fluide. Est-ce que je peux frapper et après sauter et comboter? Attaque spirituelle, hein, pendant un saut, un jauge pression spirituelle, hein, technique spéciale. Ouais d'accord. C'est pas mal. Alors, ça va, par contre on voit pas la barre de vie des ennemis, alors on sait pas trop combien qu'il faut les taper. C'est un peu embêtant. Donc d'accord, il y a en bas c'est le nombre de gars que je suis en train de fumer. Ah derrière, après j'ai les combos. 145 hits, bordel, il enchaîne bien petit Ichigo quand même. Hein. Et il a la classe quand même. Ça, ah zut, je peux plus le faire. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Par contre les décors sont vides. Oh L2, qu'est-ce que c'est? Je sais pas c'est quoi. L1, option modifier réglage du jeu. Hein. Oh là là, mais c'est bon, arrête. Oui c'est d'accord, dictateur. Diriez-vous vers là? La Snow Chess, la dernière nuit, c'est ça? Ou la nuit, je sais pas. Et le 2, c'est quoi? Si je fais le 2, qu'est-ce que ça fait? Oh là, d'accord, super transformation, super guerrier là! Ah oui, c'est son mode. Ouais. Ignition. Et qu'est-ce qui se passe si je fais Ignition? Oh là là! D'accord, c'est sa super attaque.
Wow, est-ce qu'il parle le truc? Oh putain, ouais, quand même, ça a une sacrée portée, hein. Ça discute en bas, je connais pas un seul des personnages. Alors maintenant, ma barre est devenue bah, une barre en... Il y a trois barres maintenant, je comprends pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Ah, il y a encore un niveau. Alors, pour l'instant, c'est tout droit, c'est assez linéaire. Sprint. Ah, je peux sprinter. R2. Ouh, oh là là, que c'est bon ça. Est-ce que je peux sprinter en l'air? Ah ouais, quand même. Oh putain, que c'est bon. Oh, que c'est bon ça. Oh, je crois qu'il va me plaire ce jeu. Oh, j'adore ça, moi. Les... Oh, putain, on a pété un arbre. Quand même, c'est vide, mais... Régénération HP. Ah d'accord, maintenant, d'accord. Si je récupère des boules bleues, des boules vertes, apparemment, je récupère des points de vie. Ah mais... Ah putain. Ça parle derrière, j'entends pas très bien ce qu'ils disent, mais bon. Je l'entendrai mieux si après... ça commence à venir en pagaille, là. Allez, à la Dragon Ball. Papa, 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 papa. Ah, excellent, après si on réappuie... Mais tu vas te taire, toi, 5 minutes, c'est qui ça? Neltou, je sais pas qui c'est. Alors, s'il vous plaît, si vous voyez ma vidéo, venez me faire un résumé. Moi, tout ce que je sais, c'est que le groupe pourri là-dedans, c'est Aizen, un ancien de l'armée royale. Enfin, bref, et que le plus balèze là-dedans, c'est Yamamoto. Je crois que c'est une espèce de mec qui ressemble un petit peu à comment il s'appelle à Tortue Géniale de Dragon Ball Z. Donc, je fais des comparaisons un peu bidesques, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Je dois faire quoi? Si je frappe dedans, ah d'accord, boost press spirit. Je sais pas quoi ça sert. Bon, à force de botter des culs, donc on a notre barre qui monte et on va certainement se transformer après en holo, je crois, mais c'est ça. Avec un masque un petit peu. Le masque de la mort, là, je sais plus quoi, là, à la Jason. Ok, bon, j'avance. Ça, c'est génial, ça. J'espère que les stages sont grands parce que. Parce que franchement, si c'est pour se dépasser comme ça, mais on peut faire le jeu en 2-3-3 mouvements. C'est très 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 fluide, ça se manie très très bien. Et alors ça, j'adore. Un peu à la Dragon Ball Z comme ça, c'est pas mal pour un petit jeu comme ça que bah c'est Sony qui nous le sort, exclusivité PlayStation 3, je le répète encore, mais je trouve pas ça mauvais. Bon, je voudrais avoir des ennemis et me transformer là en super masque de la mort. Bon, ça j'adore. Autant j'avais joué un Fist of the North Star, mais ça on courait mais à deux à l'heure. Autant là, j'avoue, c'est très 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 bon parce que ça permet de gagner beaucoup. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un gros monstre en face. Moi, je vais me transformer en super guerrier, tu vas pas m'emmerder, toi. Allez, c'est parti. Punaise. Les seuls tournois sont très résistants aux attaques normales. Attaquez-les lorsqu'elle lève l'épi pour renverser. D'accord, ok. On va avoir un petit truc. C'est un petit peu brouillon. Ah, je vais me détransformer. Ah ouais, mais je peux pas me détransformer. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je perds des points de vie, j'ai l'impression, quand je suis comme ça. Sortir d'urgence, hein, afficher en permanence sur la carte, un réglage caméra. Oh là, ouais, c'est vraiment le dictat pixel. Alors. J'ai perdu quelques points de vie. Donc, la caméra se passe pas très très bien des fois. Ah si, voilà, si j'appuie, voilà, si par exemple je fais ça. Hop là, j'appuie donc sur le bouton R3. La caméra se replace directement dans mon dos, mais chiant. Hop là, voilà. Okay. Donc c'est bien, très très bon dictaticiel d'entrée de jeu, on n'est pas trop perdu. Donc là, je vais certainement me détransformer parce que ma barre arrive à zéro. Voilà. Et avec une musique qui change quand on se transforme en génération HP. Merci. En mode Dragon Ball Z. C'est pas mal. Hein. Alors, je sais pas si on peut voler, mais dans les airs, mais en haut, quoi. C'est-à-dire version Dragon Ball. Vous savez, comme dans... Voilà. Et je peux monter là-dessus. Non. Oh là là. C'est sympa, c'est très sympa. Je connais pas du tout le manga, alors moi, ça m'impressionne de voir des trucs comme ça. Mais vous dites, oh là là, mais Rico, mais t'as jamais rien vu. Mais je trouve ça sympathique, comparé à certains Benzemol, où on est lent, mais lent. Là, je vous dis, j'ai fait... je vous ferai une vidéo, un de ces quatre, sur... Bah, comparé à celui-là, c'est vrai que ça semblait ridicule. Ken le survivant, Fist of the North Star. Au couteau Noken. Oh mon dieu, mais la lenteur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah d'accord. D'accord, ok.
Et il a pas peur. Il a pas peur, le gamin de 15 ans. Mais lui, il a 15 ans, mais arrêtez, quoi, c'est pas possible. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu l'histoire du manga. Mon Dieu, mais je sens que je vais me faire, mais traiter. Mais mettez-moi des pouces rouges, allez-y, commencez. Allez-y, ne vous privez pas. Ne vous privez pas de me mettre des pouces. Punaise! Putain, c'est quoi ce. Mais j'ai pas la. Putain, mais il est gigantesque le premier boss là! Ah, ok, bah de toute façon, il suffira de. Punaise, il rock, c'est bien quand même. Oh putain! Ta-ta-ta-ta-ta! Oh! Ta-da-da! Mais c'est où ses points de vie? Ah, il est mort! Ah, bah c'est bon, bah finalement c'était pas trop très difficile. Ça va. Quand même, boss très impressionnant pour l'impôt au début. Bah, il a pas l'air d'être très content. Oh non, mais maintenant il y en a trois! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, la jauge d'initiation est pleine. Oui, ça j'ai compris. Éliminer les mémos grandes dés supplémentaires. Ah, bah j'ai vu qu'ils étaient de retour. Ouais, tu l'as dit. Ils sont fatigants! Ah putain, super, on peut se... Avec le bouton croix, on peut se remettre quand on est touché. Ah, punaise, c'est pas mal. On est... Ah, j'adore ces jeux-là où il faut pas réfléchir, il faut juste frapper. C'est mes jeux préférés. Oh, j'adore ça. Ça, je kiffe. Alors, je sais pas si pour en plus... Ah putain... Je vais quand même pas mourir, là. Pas contre ça, quand même. Ah, ça y a un truc là-bas, j'allais le prendre. C'est quoi? Putain, mais à chaque fois que je lui mets un coup, il me touche. Hein. Ah, ouais, je voulais vous résumer un petit peu le. Oh là, mais il met une barrière maintenant. Bon, d'accord, ok. Je voudrais récupérer des points de vie parce que là, je suis en train de me faire mes démolir version puissance 4 là. C'est quoi ça? Spirit, hein, mais je sais pas comment utiliser le spirit, je peux pas me transformer en super. Ah, ça y est, là ça va chier. Allez hop, c'est parti. Le mode masque de la mort de Jason. Il faudrait déjà que j'arrive à le toucher. Bon sang, bon jeu de bonsoir. Bon, toi, je vais t'éliminer direct. Regarde ce que ça va te faire. Je vais t'envoyer en enfer. Illico presto. Ah, ouais, direct. Oh là là. Putain, il est très puissant le mode. Très puissant ce mode là. Oh putain, il est chiant avec son truc lui. Allez. Voilà, c'est bon. Voilà, il est mouru. Eh ben, je crois qu'on a fini le premier. C'était le premier. Le petit premier niveau. Et on est rendu à 18 minutes. Hein. Rancé. Est-ce que je vais obtenir des trophées? Est-ce qu'il y a des trophées dans ce jeu? Je ne sais même pas. Je vous dirai ça. Ah, mais si, il y a des trophées. Oh, certainement un jeu à trophées aussi. Hein. Je vais faire mon possible, d'accord. Allez. On va continuer un petit peu pour cette découverte de Bleach. Alors, je devais vous parler de l'histoire, mais je serais incapable de vous débloquer l'histoire, en fait. Épisode 2 débloqué, épisode 3 débloqué. Coup de l'écran des level up. Ah, lorsque vous terminez un niveau, utilisez l'écran des level up et améliorez les caractéristiques de vos personnages en utilisant les points de sous obtenus. D'accord. Bon. Ah, mais on contrôle plus. Oh, il est là, lui. Oh, je vais le prendre. Est-ce que je peux déjà faire un truc avec les level up, non? Oh non, mais j'ai Kishigo. Mais je veux pas Ichigo, moi. Je veux Grimmjow. Oh non, mais c'est naze. En sérieux? Allez. Ah, Grimmjow, Jack. Ichigo poursuit son avancée dans les notes chaînes lorsqu'il tombe. Je vous laisse lire. Oui, alors bon, il parvient. Je vais lire en même temps vous parce que je connais pas l'histoire. Mais permet que j'ai appuyé. Alors moi je m'étais arrêté là moi. Et ça va déjà être fini au bout du troisième chapitre. Oh, sans déconner, non. Oh non, mais moi je... Non. Mais non, mais moi je pensais que j'allais contrôler Grimmjow. Putain.
Bah en même temps, c'est le mot d'histoire du héros, hein. C'est un petit peu si je contrôlais pas Naruto, quoi. Ouais, fallait un petit peu s'en douter. Il fallait s'en douter. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on va aller se le faire là, le Grimmjow Jadjarjak. Ah, tant pis. À mon avis, je vais me faire démolir parce que bon, j'ai pas boosté mon personnage. Bon, enfin bon. Exe! Allez, c'est parti! Hop, mode Dragon Ball. Traverser le désert. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi tu pleures? C'est vrai que c'est assez évident. Tu peux péter les. Ah ouais, oh bien. Ah, mais punaise, on peut péter les objets! Oh putain, mais. Comme quoi, on. Ah bah ouais, hein. Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive à mon personnage là? Oh, putain, il enchaîne bien, comme il merde. Oh, il se retourne. C'est ça que j'appelle fluide, c'est-à-dire que pendant qu'on fait un enchaînement, il est très rapide, hein, très rapide. Oh là là, mais. J'adore ça. Ils sont où eux? Mais venez là. Voilà. Parce que. Alors je vais pas vous montrer parce que je viens de découvrir le jeu. Alors vous me direz, oh là là, mais tu joues bourrin. Bah bien sûr que je joue bourrin. Bien sûr que je joue bourrin. De toute façon, ça je peux le casser aussi. Ah mais je peux tout casser. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Bah y'a déjà un boss. Ils sont éliminés les Gruel Wings de la zone. Putain mais je sais. Oh là là. Les deux culs. Oh, ils sont pas très forts. Ils ont encore. Allez, allez, allez. C'est pas très très dur. Alors ça, j'adore. Le dash aérien comme ça, c'est un truc. Ça c'est beau. Je répète encore, je kiffe ce truc. Je vais aimer ce jeu. Je crois que je vais l'aimer. Malgré que les décors, bon, y a rien avec les monstres qui se ressemblent tous un petit peu. Je vais aimer ce jeu parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et on peut apparemment contrôler. Il est. Mais putain, mais où est-ce qu'il est lui? Ah, il est là-bas. Et on peut contrôler, à ce qui paraît, plusieurs personnages. Bon, le héros, moi j'aime pas trop jouer avec les héros dans les jeux. C'est jamais trop mon truc. Bon, on est toujours obligé de le faire, bien entendu, parce que quand même, sinon, c'est plus. C'est plus l'histoire du jeu, quoi. C'est plus ça, hein. Mais bon, il a quand même une bonne gueule, le Ichigo. Et ça, par contre, ils auraient pu faire moins des attaques chargées, quoi. C'est-à-dire rester maintenu sur le si j'enchaîne triangle, il envoie trois coups. C'est un peu plus puissant. Et après, il dit qu'il y a un truc aussi avec feu. Mais pareil que ça utilise ma. D'accord. Bon, c'est vrai que finalement il est assez simple, les ennemis meurent assez vite. J'aurais peut-être dû le faire en difficile finalement. J'avais lu un truc comme quoi, bah faites-le plutôt en difficile pour avoir un petit peu plus de challenge. Bon, en même temps, je voulais vous faire un truc assez simple. Bon, les destructions de décors sont assez sympas. Le personnage est assez bien modélisé dans son ensemble. C'est avec son ombre qui est en dessous quand même. Par contre, vous remarquerez vraiment là, bon. Alors les musiques. Bah écoutez, je vais prêter un petit peu l'oreille, mais. Ouais. Ça a pas l'air d'être trop ça. Enfin, je connais pas trop la bande son de Bleach. Je peux pas vous dire si elle est extraordinaire comme un Dragon Ball Z ou un Chevalier du Zodiac ou même un Naruto qui a quand même des musiques assez pas mal. Mais là, comme c'est, je connais pas voilà. Les musiques dans Naruto, enfin, sur Ninja Storm 2, c'était pas du tout ça non plus. À part quelques-unes quand même, avec une pas trop mauvaise. Ouais, alors je vais le comparer quand même parce qu'il faut quand même comparer ce jeu à d'autres Dezemo là. Alors, c'est quand même beaucoup plus fluide et plus maniable. Alors, ils vont être démolis, mais ils vont rien comprendre. Plus maniable qu'un Fist of the North Star. Malheureusement, ben, pour le moment, je constate qu'on peut vraiment pas jouer à deux. Bon, ma foi, pourquoi pas. Ils auraient pu faire au moins un mode combat, quoi, un petit mode duel. Ça leur coûtait quoi? Peut-être en DLC prochainement, je ne sais pas. Voilà, enfin, ce serait un peu vache de nous mettre ça en DLC quoi. Surtout certainement que le jeu ne va pas beaucoup être parlé de lui. Bon, Bleach c'est quand même, d'après certains, un manga assez réputé. Malgré que je regarde pas quoi, je suis pas de ce shonen là, je regarde pas beaucoup quoi. Moi je vous ai dit, tout ce que je voulais c'est savoir si on pouvait jouer avec Grimmjow qui a vraiment la même classe, mais
Voilà, y a, en fait, dans les mangas, on a tous un petit peu nos personnages. On a toujours un personnage qui sort de l'ordinaire. Et c'est souvent, des fois, soit un ennemi, soit un personnage principal. Mais c'est quasiment jamais le héros. Hein. Moi, quelqu'un qui me dit ouais, le Ichigo, c'est le plus charismatique personnage du dessin animé. Putain, si c'est vrai, je suis désolé, mais Bleach, on peut le mettre au rank 1. Hein. J'ai vu des personnages, ne serait-ce que le Aizen là. Il a une tête, franchement, il est là à moitié à se foutre. En plus, il est super puissant. Une tête à se foutre à moitié de votre tronche. Et il a l'air très 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 balèze. Et j'ai vu qu'il y a une panoplie de personnages dans ce jeu. Donc, à mon avis, ce n'est pas le plus charismatique. Bon, bah écoutez, on va bientôt s'arrêter là. Hein, on arrive à la demi-heure. Voilà, donc un jeu très très fluide. Un Bezemol, tout ce qu'il y a dans le plus pur style. Voilà, tu les tous. Et ben écoutez, je les tue tous. Assez simple à maîtriser, rapide. J'apprécie beaucoup. C'est sûr qu'avec ce que je m'étais tapé avant. Alors, dans le même genre, on a aussi Dynasty Warrior. Alors, Dynasty Warrior, c'est encore autre chose. Dynasty Warrior, c'est quasiment ce qui se fait mieux en Bezemol à l'heure actuelle. Mais là, quand même, c'est bien. C'est un dessin animé style manga. Et c'est pas. Mais c'est pas dégueulasse! C'est pas dégueulasse pour un Bezemol. Bon, mis à part que là, j'espère qu'après que les créatures vont un petit peu changer, parce que là j'en ai marre de tuer 50 fois les mêmes ennemis depuis tout à l'heure. Mais j'espère qu'après que ça va changer. Voilà, pour cette vidéo découverte, bah écoutez, hein, je vais vous laisser là. Avec ce Bleach. Je vais certainement le terminer et vous en dire de quoi il en ressort mieux. Pour l'instant, ça me donne une bonne impression. Bon, moi j'adore les Bezemol. Alors en même temps, il marque tout de suite des points d'entrée, hein, c'est très facile pour lui. Bah, il a pas touché, mais je comprends pas. Donc voilà, bon, écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Ah, il y en a, ils disent oui, le jeu se finit en 2 heures. Bah, c'est assez, putain, pour l'instant, je sais pas si c'est. Pour l'instant, c'est quand même assez long. Hein. C'est vrai qu'après, si on veut tout casser, je pense qu'après. Heureusement, c'est un jeu à trophée, donc à mon avis, quand même, pour le platiner, ça doit pas être si difficile que ça. Bon, par contre, là, les temps de chargement, ils sont un petit peu ridicules, quoi. Je trouve ça un petit peu naze. Ah, bah écoutez, v'là le boss, va se l'air tellement ma Grimjo. Grimjo, Jadger Jack. Oh, mais mon dieu, ce personnage, quoi. Mais regardez-le. Oh là là. Oh, putain. Ah, ils vont tous se transformer en super guerrier là. Alors, moi, je me suis arrêté là avec ce combat là, quoi. Allez, c'est parti. Éliminer Grimjo. Regardez ça comment on se bat. Un peu la Dragon Ball Z. Non, mais sans déconner. Il est où? Allez, allez, on va essayer de on va essayer de finir là. Avec Grimjo, je vais essayer de. Viens ici. Putain de cul. Ah, d'accord, je peux le cibler. Ok, d'accord, ça. On cible avec Elin. Oh, je me suis torché. Ça y est, je l'ai. Putain, il se téléporte ce con. Putain, la garde, j'oublie que c'est sur Erin. Oh là, mon gars, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher. T'es où? T'es où que je te défonce? Viens là, viens là, voilà. Donc là, je peux plus te rater. Je le cambote aériennement, là. Oh putain. Oh merde, il a disparu, putain. Ma super attaque dans le vent. Ah non, je l'ai eu. Oh. Ah bah voilà. Bah écoutez, je crois qu'il est mort. Non. Ah, excellent. Bah ça fait un peu comme dans le manga. Hein. Dans le manga, c'est à peu près pareil. Bon bah écoutez, apparemment, il va pas réussir à le battre. En même temps, Grimjo, quoi. Ce personnage. Alors, est-ce qu'il paraît, il va revenir? Parce que j'ai vu qu'il était mort. Alors, vraiment, j'étais... Mais c'est pour ça que j'ai pas suivi Bleach, parce que j'ai cru qu'il était mort. Mais apparemment, non, il va revenir, ce bon vieux Grim. Oh, punaise. Voilà, les gars. Putain. Ah, d'accord. Il l'a explosé. C'est quand même bien foutu. Hein. C'est, graphiquement, c'est bien fait. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, il est où? Viens. Putain. Faut que je le sais. Ok, c'est là-bas. Ouah. Allez, on va arrêter là. Je vais vous laisser là. Parce que, ouais, d'accord, j'ai aucune chance contre toi. Ok, j'arrête là, t'es trop fort pour moi. J'aurais dû me booster un petit peu avant. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo découverte de Bleach. Alors, surtout,
ne m'en veuillez pas parce que je ne connais rien du tout à l'histoire de Bleach. Je pense, voilà, vous avez pu voir un petit peu au niveau image ce que ça donnait. Des graphismes sympas, des musiques un petit peu, bon, c'est un peu brouillon. La maniabilité, ça se prend très très vite en main, hein, comme tout bon Beat'em All. L'intérêt de faire un tel jeu, bah, c'est purement se défouler, ou pour les fans de Bleach, parce que c'est, voilà, c'est le premier qui sort, si je dis pas de bêtises, sur PlayStation 3. Et comme je le répète, c'est une exclusivité PlayStation 3, ben peut-être, bon, c'est pas le jeu de l'année que les joueurs de 360 vont nous envier, bien sûr, loin de là. Je reviendrai dessus quand je l'aurai fini, je vous ferai une review et je vous dirai mon ressenti global sur ce jeu. Allez, c'était Rico dans le bazar de Rico. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Et je vous dis aussi...